Voilà, je suis ravie. Ah, voyons ça alors. Que faites-vous là? Pourquoi venir si vous n'avez pas trouvé mes cartes? Des vérités y sont cachées. Des vérités qui ne peuvent être révélées que si vous me les apportez. À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Coucou, j'ai rien pu te trouver à manger. La cuisine est complètement vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je t'ai pris ça. C'était... Merde, je sais même pas ce qui s'est passé, tout était flou. Comment tu te sens ? Ça va. Je m'en remettrai. Grâce à toi. Non, non. J'ai juste essayé de t'aider. C'est Kathleen et Ryan qui ont tout fait. T'es avec moi. Ça m'aide. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Oh, ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes? J'en sais rien. Ça va mieux? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio? La ligne est coupée, je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Je croyais que Dylan...
et Ryan étaient déjà sortis. Restez là, je vais voir. On ne sait pas ce qu'il y a dehors. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. Aucun signe d'eux. Quand tu les trouveras, saigne-les. Et tiens-moi informé, Bobby. Idéal, je sais, mais je... Quoi? Eh ben, c'est juste que... Tu sais, je pensais, au début de l'été, quand on s'est rencontrés, au début de la colo. Mais maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Désolé, Nick, qu'est-ce que tu disais? T'en fais pas pour Kathleen, elle est solide. Je sais. Je suis désolée, Nick. J'ai la tête ailleurs. Essayons de passer la nuit, ok? J'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure, mais... J'ai eu l'impression qu'il allait se passer un truc. Et tu voulais qu'il se passe un truc entre nous? T'es conne ou quoi? Hé! Désolé.
Ce que je veux dire... bien sûr que je voulais, mais je savais pas si toi aussi. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tu voulais qu'il se passe un truc ? Tu peux me le dire ? Ouais, je crois. Je te dis ça parce que je suis blessé. Nick. Mais qu'est-ce qui se passe avec Kathleen ? Faut qu'on se cache. Faut qu'on se cache. C'est bon, ça va aller. Oh mon Dieu ! Il s'est passé quoi ? Merde, il est où le fusil ? Il faut qu'on se tire ! Non, faut qu'on se cache ! Vite ! Radio dans le local radio. Je croyais que c'était juste pour faire les annonces du matin. Oh ouais, en fait, c'était même une vraie station de radio avant. Enfin, je veux dire, c'est toujours le cas techniquement, mais plus personne apporte sa radio au camp de nos jours. Ouais. C'est bizarre en fait de se dire qu'avant, il y avait des gamins avec leur radio, leur lecteur CD et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a tout sur le portable. Mais Monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on soit pas distrait par la technologie. Ouais. La technologie, elle a des bons et des mauvais côtés. Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire ? La radio de la colo ? Non, genre le DJ, la musique, je sais pas. Oh, j'aime bien la musique, mais je crois que je veux étudier... la physique quantique. Attends, sérieux ? Ouais. T'as pas vraiment une tête de fan de science. Ah ouais, c'est sûr, pas ici. Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici ? Pas ici, au... camp. Je fais ça chez moi. Et ici, je... Tu joues au con et tu fais des blagues pourries. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah ! Ok, bon, peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement ? Ouais, enfin, je sais pas trop, mec. C'est cool, ça me va. j'aime bien Dylan. Bon, enchanté de te connaître, Dylan. Moi, c'est Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan foutant le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien celui-là, on sent qu'il réfléchit.
Ah, qu'est-ce que c'est que cette saloperie vaudou? Ah. C'est bon ? C'est bon. Wow, c'est vraiment un taudis ce truc, hein ? Ok, quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça avait pas servi depuis des années et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local et à tout remettre en état, alors je suis désolé si c'est pas à ton goût. Mais je me suis vraiment donné du mal. Ok, ok. Je vais allumer ça. Ok. Un de ces trucs pourrait nous être utile ? Les outils, là ? Non. C'est Monsieur H qui voulait un espace de stockage, alors c'est un peu pour ça qu'il m'a laissé gérer la station. Ok. Alors, ça porte jusqu'où ? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ 2 kilomètres ? Comment tu sais tous ces trucs ?
J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tous ces trucs techniques, ça a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu. Me donner un cours? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus, et c'est à ça que sert ce machin-là. Attrape poussière. Bah, c'est censé amplifier le signal, il a l'air un peu merdique, je sais, mais ça vaut le coup d'essayer. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc? Ouais, enfin, c'est pas bidirectionnel. Donc, en fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... Ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Faut que ça ait l'air urgent. Ok. Salut! Alors, comment ça va chez vous? Ici, on a besoin d'aide. On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett's Quarry. Et il y a eu un accident horrible, une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, hein. On a besoin d'aide. Il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours, mais aussi sur nous, ce qui est pas très normal. Et on a des copains blessés et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants et du coup, on sait pas trop quoi faire. Alors, s'il vous plaît, venez nous aider, SOS. Ceci est une urgence particulièrement urgente. Alors, venez vite et aidez-nous. C'était bien ou pas? Un essaim d'ours? Ouais. C'est pas un essaim. Ben, ils étaient plusieurs, mais... Oh, j'hallucine. Ok, bon, ben, on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Ouais, ok. Je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek. Ok, ouais, d'accord. Viens voir. J'ai reçu un signal radio, mais pas de réponse. Je vais aller voir. Quoi? Il a parlé du chalet? Les autres moniteurs. Je sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio près des cabanons. Deux autres personnes pour l'instant introuvables. T'as reçu. Terminé. Terminé. Putain, il parle de nous. Merde, merde, merde. C'est quoi ce délire, putain? Mais que comment? Parce qu'on vient de leur dire! Sur cette putain de radio! Merde! Ils savent où on est, putain! On peut pas rester là. Merde, merde! Hey, merde. Faut qu'on reste calme, ok? On va aller chercher Caitlin et les autres, d'accord? D'accord, ouais. D'accord. Dehors. J'étais pas sûr, mec. Merde, c'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Ryan? C'est un ours.
quoi? C'est quoi? Merde. Quoi? Kathleen, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin. Oh merde. Ils viennent vers nous, il faut... faut qu'on les prévienne. Avec la sono. Là-haut? Ouais, ok. Ouais, on peut leur dire de se cacher. Ouais. Tiens le bouton. Kathleen, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici. Il y a une bête vers le local radio, rentrez. Je allez dans un cabanon, allez. Oh merde, putain. Ils sont partis. Maintenant. Ok, on peut vraiment rien faire. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est juste un animal, hein? On peut peut-être le faire fuir. Bah ouais, enfin, si il entend exactement comme un chien, peut-être qu'on peut jouer un son de Larsen, super aigu, dans la sono, et le mettre à fond. Et ça va nous défoncer les oreilles. Mais... il faut qu'on tue. C'est pas un animal comme les autres. Je crois pas qu'un fusil va suffire. Ok, on fait ça. Le truc du Larsen. Ça marche. Dylan, respire. Détends-toi, je suis sûr que tu peux y arriver. Ok, bon. Ouais. Je sais pas, il doit manquer quelque chose, mais... il manque quoi? Oh merde. Il a arraché le pied. Remets-le. Je te couvre. Non, vite, vas-y. Ok, je... Tiens bon. T'es sûr de toi? Oui, vas-y, je pars, faut que tu le fasses, fais-le. Chope le fil. Quoi? Chope le. Ok. Branche-le dans le truc. Appuie fort. Je fais quoi?
je fais quoi? Le bouton. On a pété le haut-parleur. Ça a marché. Bravo, Dylan. Ok. Oh merde, maman. Ok, mortel. Oh. Accroche-toi. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as dit de le faire. Oh putain, t'étais une idée de merde.